Salut les amis, c'est Gentil Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode de la nouvelle maison du style de notre petit let's play bonus. La fois passée, on avait été au parc voir après des nouvelles clientes, faire la connaissance de quelques adorables jeunes filles. Donc bah ici nous sommes de retour dans la boutique pour s'occuper de certaines jeunes filles que nous avons croisées. Donc là nous voyons Caroline. Donc Lulu dit beaucoup de bien de vous. Elle dit que vous connaissez le style de vos clientes mieux que personne. Si c'est vrai, alors peut-être que vous pourriez me trouver une robe de ville. Je n'ai encore jamais porté de robe de ville, alors je ne sais pas du tout ce qui pourrait m'aller. Par contre, j'ai décidé de choisir la j'ai déjà choisi la couleur. Il faut absolument qu'elle soit blanche. Pas de problème, ça devrait aller. Donc, là aussi, donc on peut trouver une robe de ville blanche. Vous avez donc le budget de la cliente et donc en dessous. Les trucs, donc quand vous cliquez sur la petite loupe, vous avez type toutes les robes, je regarde le style, marque, couleur blanc, rechercher. Donc on a deux robes ici, et je pense à mon avis que dans ces deux robes, donc on a une Retrobit et celle-ci, je pense que la Marzipan Sky est ce que la cliente aimera le plus. Regardez. Je crois que c'est exactement ce que j'avais en tête. Je vais essayer ça tout de suite. Oh, c'est adorable, les petites animations. Oh là là, plus je la vois, plus je suis sous le charme. Je ne peux pas me repartir sans, ce serait criminel. Donc là, on peut regarder un petit peu sur toutes les coutures, mais bon. Donc bah voilà, ça nous a coûté... Enfin, nous, on a gagné 78 euros grâce à ça. C'est toujours amusant d'essayer de nouveaux vêtements. Je suis tellement contente d'être venue aujourd'hui. A très bientôt. Je fais une petite photo, les gars, parce que j'aime bien faire des photos. Voilà. Quand je me réjouis déjà de pouvoir aller maquiller notre... Oh, regardez! C'est la petite madame qu'on a eue avec l'ami Boron Doudou. Daria. C'est pas elle? Non, je me trompe. C'est vous la nouvelle gérante? Lui m'a conseillé de venir vous voir. Ah non, c'est celle du parc. Maintenant, je suis la seule maintenant à acheter quelque chose. Voyons voir. J'aimerais bien un top à rayures. C'est le genre d'article que j'adore. Ok, pas de problème. Un top à rayures. Bon. Type tous les tops. Motif rayures. 4 articles. Donc, on a 4 tops à rayures. On a. Ouais, je trouve qu'il est pas mal. On va lui proposer celui-ci, je pense que c'est celui-ci, donc entre les quatre qui lui plaira le plus. Regardez! C'est tout à fait en accord avec mon propre style. Laissez-moi juste une petite minute pour que j'essaie cette merveille. Donc je sais pas si c'était la demoiselle qui avait de l'ami Boron Doudou. On sait pas trop ce qu'elle a mis, mais bon. Ouais, c'est encore plus stylé que ce que je porte d'habitude. C'est génial, je suis comblée. Merci beaucoup, j'ai hâte de revenir vous voir. Au revoir madame. Donc je sais pas si Daria était la... Ah non je pense pas. Il y a une cliente, regardez. Donc celle-ci est rose, celle-là est bleue. La bleue c'est quoi? Ah non c'est celle-là la rondoudou. What is that? Vous allez trop rigoler quand vous allez voir son prénom les amis. C'est vraiment pas pour rigoler. Indara, j'ai mis mon ami beau rondoudou. J'ai eu cette cliente. Viens voir son prénom. Il fallait le faire. Je suis désolée, Ina, mais là, je suis obligée de t'appeler. Parce que là, c'est trop énorme. Ne le dis pas. D'accord. Il fallait le faire, quand même. Ouais. Donc, les amis... C'est peut-être fait exprès. Peut-être que c'est fait exprès, je sais pas, mais pour que... Elle ait le même prénom que moi, faut le faire, quand même. Donc, elle n'a pas vraiment de hobby, mais aime promener son chien. Bon, peut-être, est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Qu'elle porte le même prénom que moi. Enfin, voilà. Je suis jeudi ravie de vous rencontrer. Qu'est-ce que tu me donnes? Une fille a dessiné mon portrait tout à l'heure. Oh, mais c'est le... C'est mon truc. N'allez pas à me croire, mais hier, une étoile forte est tombée. Ok. Ok, donc en fait, si c'est moi en fait, c'est quoi cette inception de truc? Donc en fait, si, en fait, en gros, c'est moi. Et l'amibo en fait a fait venir mon... Mon mi.
Oh, j'en ai ramassé quelques-unes et j'en ai fait un accessoire sur la tête. Alors, c'est joli, non? Vous pouvez me créer une tenue qui irait avec? Je pense le que mieux serait quelque chose de pop. Ah, c'est super! C'est super! Je kiffe! J'ai vraiment envie de voir. Ah non, on peut pas. J'aurais trop voulu envie de voir. Donc, une tenue pop qu'elle veut dans les... Donc, type, non. Style, pop. On va créer ça. Donc, on a des lunettes. On a ça. Qu'est-ce qu'on a comme robe? Est-ce qu'on a une belle robe? Je regarde, les amis, ce que j'ai à proposer à cette petite demoiselle. Si j'ai ça, ça. Là, j'ai vraiment rien de super waouh. Ouais, ça je dirais que c'est plutôt pas mal, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. C'est une tenue pop. Au niveau des chaussettes, c'est vrai que ça fait un petit peu nu, mais enfin si je les mets, j'ai l'impression que ça rend pas très beau en fait. Donc je vais pas les mettre. C'est comme ça, je sais juste pour mettre un truc. Oh là là, quelle belle tenue veut me montrer là. Je meurs d'impatience de l'essayer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, sans plus tarder. Donc mais désolé les gars, parce que ça m'a fait trop de me dire, mais what, t'as le même prénom que moi. Mais c'est ma version Mi en fait, c'est mamie qui est venue. Ok. Emballé, c'est pesé, j'achète sans hésiter. D'accord, ok. C'est trop cool. Cette tenue est géniale. Je n'en reviens pas que vous ayez pu me trouver quelque chose qui aille avec avec des morceaux d'étoiles. C'est rare. Merci, au revoir. Désolée, je fais une vidéo parce que là, les deux comme ça ensemble, ça me fait trop marrer. J'adore. Et est-ce que vous pensez que maintenant j'ai... Attendez, je vais regarder un petit peu. Email. Ok, donc vous recevez des emails de la cliente. Je suis fière d'avoir osé ici quelque chose de nouveau. Je passerai vous voir demain. Vous voir, c'est certain. Merci, vous continuez comme ça. Je vais rejoindre Lulu, chanter vos louanges à temps complet. À très bientôt. Oh, c'est trop mignon. Les contacts. Est-ce que notre Mi. Bon, ma Mi n'est pas mise ici, apparemment. Bon, la Mi n'est pas mise ici. Mais par contre, on voit quand même bien les autres clientes. Ok, j'ai des nouveaux mots lexiques. Ok, d'accord. Donc, et là, j'ai Orlan manier le faire comme. C'est comme personne. Ok, d'accord. Je dois me changer, je vous en supplie. Vous devez me trouver quelque chose vite. Attendez, c'est vous la nouvelle gérante? Je sais ce que j'aime et je m'y tiens. Je compte pour répondre précisément à mes exigences. Je me suis assise sur le banc dont la patine n'est pas encore sèche. Résultat, ce que je porte est ruiné. Ah, mais j'y pense. Pour tout vous dire, Lulu m'a conseillé de vous faire confiance et d'explorer de nouveaux horizons. Je suppose que c'est l'occasion de mettre en pratique ses conseils. Bon, oubliez ce que j'ai dit, on reprend depuis le début. Trouvez-moi donc des boucles d'oreilles. What is that? Pourquoi tu veux des boucles d'oreilles alors que tu voulais au départ des fringues? Bon, on va les proposer celles-là. Ok, elle se met dans la vitrine, dans le truc, ouais, c'est des boucles d'oreilles. Attends, elle se met dans le... D'accord. Ok, donc ces fringues sont pleines de peinture, mais elle préfère acheter des boucles d'oreilles. Ok, d'accord. On n'a pas... On n'a pas les mêmes idées du tout. Bah ouais, d'accord, ok. Ah, notre petite Lulu qui revient. Elle est trop mignonne. Chutie, comment ça se passe à la boutique? Désolée de vous avoir tout laissé sur les bras. En tout cas, je vous fais une tonne de publicité. Plusieurs personnes ont dit qu'elles viendraient plus tard dans la journée. Je ne pense pas qu'elles arriveront tout de suite. Alors, vous pourriez faire une pause, non? Il y a un autre endroit que j'aimerais vous montrer. Ok, je veux bien. Super, vous allez adorer, j'en suis sûre. Je vous attendrai sur l'avenue du style. L'avenue du style, oh. Je crois que j'ai un nouveau mail. Merci, je suis trop contente. J'ai bien fait de m'asseoir sur de la peinture. Lol, je rigole, à plus. Et t'as juste pris des boucles d'oreilles à madame, donc. D'accord, ok. Alors,
fumer la moquette, la cliente. Donc, je vois que j'ai encore deux personnes dehors, mais on va pas faire ça. Ah, je dis, vous êtes arrivés. Super, je parie que vous demandez où je vous emmène. Nous allons à la Villa Décorama. D'accord, ok. Bon, ça fait un peu placement de produit, mais bon, c'est pas grave. Donc, juste à côté, on voit... Donc là, c'est l'endroit où il y a votre studio et la boutique. Et à côté, donc là, c'est le parc. Et là, c'est la Villa Décorama. D'accord. C'est trop joli. Je dis cet endroit, mais très cher. Oh, il faut que je vous montre quelque chose dans le grenier. Venez. Qu'est-ce qu'elle montre? Ah, en dessous. Ok, est-ce qu'il y a des tranches de maison comme ça? Ok. Et voilà. C'est une maison de poupée. À l'image de la villa. Elle est trop mignonne, non? Vous savez, ce grenier est un endroit très important pour moi. Il me rappelle Hélène et ma grand-mère et leur amitié merveilleuse. Elles venaient souvent ici pour décorer les maisons de poupées. Ça m'a donné envie de prendre leur relève et d'aménager une pièce, moi aussi. Mais il y a tellement de miniatures, je n'arrive pas à décider quel genre de pièce j'aimerais créer. J'ai trouvé un canapé très mignon, alors j'ai pensé faire un salon, mais de notre côté, avec une chaise caisse enregistrée, je pourrais créer une jolie boutique. Comme vous voyez, j'hésite. Lulu? Lulu, tu es dans le grenier? C'est la voix de Ricky. Je ferais mieux d'aller voir ce qu'il veut. Désolée, je dis, ça ne me prendra qu'une minute. Oh, j'ai une idée. Vous pourriez décorer cette pièce pour moi pendant mon absence? Je suis sûre que le résultat sera fantastique. Vous pouvez utiliser n'importe quel objet miniature à disposition, alors laissez exprimer votre créativité. J'ai hâte de découvrir ce que vous allez créer. Vous n'êtes pas obligé de faire un salon ou une boutique, hein, décorer la pièce comme bon vous semble. Je vous laisse, amusez-vous bien. Ok, on y va, hein. Donc, ok. En dessous, il y a des... Comment dire, des... Ouais, attendez, je vais vous montrer, ça sera mieux. Il y a la maison de poupée avec des petites pièces ici. Enfin, je sais pas, quand je lis la maison de poupée, je passe... Ah, voilà, 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 ouais, voilà. On débloque une pièce, je pense. Quand je clique dessus, créer, ok. Déco. Ok, donc en fait c'est comme ça que ça se joue. Donc vous avez une pièce qui était sortie du truc. Et vous pouvez déjà... Ouais, vous avez toute une liste de meubles. C'est trop mignon! D'accord. Ok, miniature, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Oh, c'est adorable. Coussin de Lulu. Tapis rond. Lit en bois. Lit romantique. Oh, lit de Lulu. C'est trop adorable. Oh. Oh, les amis, on va juste faire, je pense, une petite pièce ensemble. Elles sont luxueuses. Oh, des gâteaux. Petit canapé. Top, tricot, sac à main. Ok, d'accord. Oh, c'est trop mignon. Ok, donc ça, je vais le mettre genre ici. Si je mets... Ah ouais, je mets ça à côté. Ok, voilà. Avec le lit. Ok. Et ça. Je vais mettre là sur le côté comme ça. Voilà. Ou non, comme ça carrément derrière ici, comme ça. Ah oui, j'aime bien. Donc en fait, regardez, vous avez tous des petits points en fait. Et il faut déplacer. Vous allez cliquer ici avec votre stylet pour les placer. Et moi je vais mettre là comme c'est ici avec la fenêtre, ça donne bien. Ok. Ah mais non, je veux faire ça.
Ok, je peux pas les... Okay, je peux pas les mettre là. Bah tant pis, hein. Pourquoi je peux pas, c'est tout. Ah non, ok, il faut que je clique sur placer, ok. Ah non, je peux pas. Je peux pas, ok. Placer, ok. Miniature, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Oh, je vais mettre la coiffeuse, ok. Hop. Placer. Miniature. J'avais vu les petites lampes là, comme ça c'était super mignon. Ok, je vais mettre ça ici. Et donc, est-ce qu'on a un petit canapé quelque part? Bon, il n'y a pas de petit canapé rose. Accessoires. Journaux intimes. J'ai passé ça, c'est trop cool. Ah, ok, non, je peux pas les placer comme ça. Par contre, l'horloge, je vais mettre là à côté. Et je vais mettre ça là à côté comme ça. Donc, l'horloge, je l'ai mise là. Poster. Ok. Est-ce que je peux mettre les journaux intimes? Est-ce que je peux les placer? Non, je peux pas les placer. Je vais les mettre à terre ici. Genre, comme si. Voilà. Oh, c'est trop cool. J'aime bien. Est-ce qu'on a une... Ouais, non, c'est bien comme ça. On va laisser, on va faire OK. Et OK. Nom de la pièce chez Jody. Bah, je sais pas, moi, je vais mettre chambre. Une chambre, voilà. OK. J'aime assez bien. Oh, c'est trop mignon. Je suis de retour jeudi. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Oh! C'est la pièce que vous avez créée? C'est magnifique. Cette pièce est tout simplement ravissante, jeudi. Vous m'avez caché que vous aviez également un talent pour la décoration. Qu'est-ce que ce serait amusant si c'était une vraie pièce? Vous pourriez vous balader dedans et danser, faire ce que vous voulez. J'ai encore quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Et voilà, c'était exactement la même pièce que celle que vous venez de créer, mais en vrai, c'est ça le point de la maison de poupée du grenier. Vous pouvez y créer une pièce, sa copie exactement pareille ici. C'est formidable, n'est-ce pas? Lulu, tu es toujours là? Ah, Ricky, arrête de prendre les gens par surprise! C'est ta faute, tu parles tellement que tu ne m'as même pas entendu arriver. Tu fais encore attendre les gens à la boutique. Non, j'ai laissé une bagarre pour dire que j'étais absente. Tu es peut-être accro au travail, mais nous, on sait qu'il est important de s'amuser un peu. Bon, tu peux pas ton ami jeudi, c'est ça? Tu ne m'écoutes jamais quand je te dis que tu travailles trop. Excusez-moi, jeudi, Ricky adore jouer avec mes nerfs. Enfin, laissez-moi vous présenter lui, c'est Ricky. Il possède de nombreuses propriétés de toute la ville, il travaille à toute heure du jour et de la nuit. D'ailleurs, c'est aussi le propriétaire de la vieille décoration. Il refuse d'admettre à quel point cet endroit est mystérieux. Je me demande comment il explique que ces pièces apparaissent comme par magie. Heureux de vous rencontrer, jeudi, Lulu m'a beaucoup parlé de vous. Je ne crois pas à la magie, la création de ces pièces n'est sûrement qu'une simple coïncidence. Coïncidence, c'est vraiment ce que tu crois? Je dois me remettre au travail. À plus tard, jeudi. Grrr, tu es si agaçant. Parfois, j'ai envie de te piquer ton ordinateur portable pour te forcer à te détendre un peu. Mais tu n'as peut-être pas tort. J'espère qu'on ne fait pas attendre les clientes à la boutique. Dites, Jody, vous pouvez retourner et vous occuper des clientes? Je vais continuer à lui faire un petit peu de publicité. Tout... Ok, d'accord. Et ben voilà, les amis. On a. Qu'est-ce qui est écrit ici? Nouveau mail. Maison de poupée. Elle ne soit pas cette maison de poupée. Non, n'hésitez pas à vous amuser avec dès que le cœur vous en dit. C'est super cool, on a débloqué ça. Ben les amis, je vais sauvegarder et je vous reprendrai dans un prochain épisode de la nouvelle maison du style 2. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao, ciao!